wish forever, ever, or to never mind. Oh, I... Saint-Malo avec Mini-moi et Grand-moi. Grand-moi. Du coup, visite de Saint-Malo, ville que j'adore particulièrement. Avec Elena, on adore venir flâner ici, c'est vraiment trop cool. Et c'est y part pour un petit tour de Saint-Malo intra-muros. Notre guide vient nous dire c'est la cour de la Houssaye avec un escalier en colimaçon comme à l'époque des corsaires, puisque Saint-Malo on l'appelle la cité corsaire. Magnifique. Il faut savoir qu'on est en pleine saison des moussons ici en Bretagne. Il y a une tempête par jour, il pleut depuis 3 mois. Là, c'est peut-être une des rares fois où on a du soleil. Bah, moi, ce que j'aime bien à Saint-Malo, c'est qu'on va près de la mer. Pendant l'été, on peut se baigner. Pendant l'hiver, on peut ramasser des coquillages. Et pendant l'été, vous avez compris, à Saint-Malo, plein d'activités à faire. Informatique, visiblement, Monsieur Surcouf donnait plutôt dans la marchandise. Hein. Ah oui, oui, plutôt. Hein. C'était plutôt sa spécialité. Et après, il s'est converti dans l'informatique. Vraiment très chouette, Saint-Malo, une superbe ville. Il est temps de se faire un petit point météo. Au cercle polaire de Saint-Malo, il fait à peu près moins 10 degrés. On est nord-ouest, donc face à la mer. Et là, ça caille, mais vous imaginez, même pas. Attention, notre reporter en direct a quelque chose à nous dire. Petit clip CNN. This is CNN Breaking News. Bonjour, aujourd'hui, on est des 5 congélations. Au revoir. Et caille, mais grave, je sais plus si je l'ai dit, mais en ce moment, en Bretagne, c'est la saison des moussons. Voilà. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on se tape une tempête par jour et que ça fait 3 mois qu'il pleut non-stop. Très facile de se perdre dans Saint-Malo, il y a énormément de ruelles et je cherche un bar bien particulier où j'avais envie de vous emmener. Donc on va essayer de trouver ce bar pour aller se boire un petit café, ça nous fera une petite pause dans cette exploration. Vous connaissez la phrase de Caradoc dans Camelot, le gras c'est la vie, ben voilà, il y a la maison du beurre. Vraiment très cool l'errance dans cette ville de Saint-Malo, c'est vraiment très sympa. Il est l'heure du petit point Waze parce qu'on est paumé. Un petit point Waze parce que nous n'arrivons pas à trouver ce bar. Ça dit Waze, faut pas les écouter, mes parents ils sont bizarres. <t'en>
partition de Saint-Malo. Les amis, c'est parti, on y va. Je peux te dire que nous sommes actuellement au café du coin d'en bas de la rue du bout de la ville, en face du port, la Java. Quand tu sais pas, tu demandes. Endroit vraiment incontournable de Saint-Malo, il y a une déco de folie, il y a même des balançoires au bar, c'est un truc de barré. Vraiment, venez si vous avez l'occasion, ça vaut le détour. Et plutôt, venez en été si vous êtes dans les parages le soir, parce qu'il y a souvent des petits concerts le week-end et tout, et c'est vraiment très sympa. Bon les amis, après cette petite pause café bien méritée, nous nous dirigeons vers le Knock Burger. Burger ! Vous l'avez bien compris, ce qu'Elena a essayé de vous dire, c'est que le burger, c'est la vie. C'est clair. Ouais, le petit beeper pour nous prévenir quand je la commande est prête. Vraiment très cool. J'ai choisi ce restaurant de burger pour la simple et bonne raison que sur TripAdvisor, sur Saint-Malo Intramuros, c'était celui qui avait la meilleure note. En fait, la base de cette vidéo, normalement, il devait avoir un petit footing dans l'Intramuros et tout ça. Sauf que je suis blessé. J'ai un problème au talon d'Achille, donc je ne peux pas courir. Ah, je pense que nous avons dans l'oreillette, j'ai un message. Oui, nous avons notre envoyé spécial en direct du Knop Burger qui a un mot à vous dire. This is CNN Breaking News. Je sais pas. Oui, effectivement, donc l'envoyé spécial a bugué. On l'a perdu. Bon, les amis, on va aller chercher nos burgers maintenant. Bah, ça vient de biper. C'est très appétissant, ça a l'air très très bon. Bon les amis, on va vous donner notre avis sincère sur ce resto derrière. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est pas les... C'est pas les meilleurs burgers que j'ai mangés. On n'est pas au niveau de Honnête. On a beaucoup de mal à dépasser. Hein. À Londres, c'était vraiment des très très bons burgers. On s'amuse pas à faire le tour du monde des burgers. Hein. Mais on aime bien se faire un petit burger de temps en temps. Et j'avoue que là, c'est très bon, mais c'est pas les meilleurs. Playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey! Audrey, peux-tu nous indiquer à quoi sert ces morceaux de bois? Ça s'appelle des brise-lames. Et comme la marée est très souvent très très haute ici à Saint-Malo, ça permet aux vagues de se casser avant d'arriver sur le sillon là-haut. Il n'y a pas que des cheveux là-dessus. Hein. Il y a un cerveau aussi. We'll be right back.
s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que quand c'est aussi beau que ça et qu'il n'y a pas de prix affiché, bah c'est que c'est pas donné pour un truc comme ça que Elena peut refaire à la maison. Donc en fait on va laisser Elena dessiner et puis ça nous coûtera quand même nettement moins cher. Yeah. Bon bah c'est bien sympa cette petite errance dans Saint-Malo, on continue. Des guermates en Bretagne les amis, des guermates.